Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 3 mai 2022, au sommaire ce soir. C'est un jour qu'ils attendaient tous avec une certaine impatience. Les élèves de la faculté de droit de l'université de Savoie-Mont-Blanc ont reçu leur diplôme la semaine dernière des mains d'un prestigieux parrain en la personne de Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux. Et puis nous prendrons la direction de Thonon-les-Bains, qui est devenue le temps d'un week-end la capitale française du e-sport. Et avec 900 joueurs et 4000 spectateurs, la première édition du Thonon Gaming Fest a été un franc succès. Je vais vous en parler dans les titres. Ils ont travaillé dur dans l'espoir d'arriver à ce jour. Les étudiants en droit de l'université Savoie-Mont-Blanc ont reçu leur diplôme il y a maintenant quelques jours. Et c'est un invité particulièrement prestigieux qui leur a remis leur distinction. L'ancien garde des Sceaux Jacques Toubon avait fait le déplacement à Montmélian en Savoie pour l'occasion. Victoria Lopez était dans l'assistance. Reportage. 300 étudiants de la fac de droit de l'université Savoie-Mont-Blanc reçoivent ce jour-là leur diplôme. Lors de cette cérémonie de fin d'année, un invité de marque est venu les féliciter. L'ancien ministre et défenseur des droits, Jacques Toubon, leur propose aussi à cette occasion une conférence. Il y a aujourd'hui, dans le monde, mais en France aussi, une forme d'érosion de l'état de droit, des pressions sur l'état de droit, qui, dans certains pays d'ailleurs, finissent par produire des démocraties qu'on appelle illibérales ou des autocraties électives, c'est-à-dire sur la base d'une majorité dégagée des urnes, le régime qui est mis en place est un régime en réalité autoritaire. Je vais dans quelques jours publier un livre qui porte sur ce sujet et c'est extrêmement intéressant que je puisse en quelque sorte en donner la primeur aux étudiants et aux professeurs de Chambéry. Des étudiants, futurs avocats, juristes ou autres législateurs particulièrement attentifs aux propos de l'ancien défenseur des droits. Parmi eux, Manon, Arthur et Nemo ont remporté le concours européen des droits de l'homme René Cassin. Ils ont présenté leur magnifique trophée avant de recevoir les félicitations de Jacques Toubon. Forcément, on a énormément travaillé sur ces travaux. Et en plus de ça, c'est une chance et une sorte de reconnaissance pour notre travail d'avoir la présence d'un grand monsieur comme lui. Recevoir l'insigne signifiant, on va dire, la fin des études et la réussite des études de la main de quelqu'un qui représente les droits de l'homme, moi j'y vois une certaine symbolique. Pour l'université et sa fac de droit, la visite de Jacques Toubon est un joli point d'orgue pour clôturer cette année en beauté et renouer avec la tradition, puisqu'en raison de la pandémie, les cérémonies de remise de diplômes n'avaient plus eu lieu depuis 3 ans. Pour cette cérémonie de la remise des épitoges, la faculté de droit essaye de dénicher, si vous me permettez l'expression, un parrain qui, en tant que juriste ou dans le domaine institutionnel, est investi sur le domaine des droits, des libertés fondamentaux. Monsieur Toubon, ayant été pendant 6 ans le défenseur des droits, étant sorti de charge aujourd'hui, de fonction aujourd'hui, cela nous semblait judicieux de faire appel à lui. Après 5 ans d'études, ces élèves ont donc terminé en beauté leur parcours. La faculté de droit représente 1/10 des effectifs de l'université Savoie-Mont-Blanc, soit environ 1500 étudiants. Parlons santé à présent avec mon invité vidéo du jour, Séverine Bétan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes, merci d'être là avec nous, vous êtes l'administratrice de la Ligue contre le cancer 73. Dans un premier temps, je vous laisse nous rappeler à nos téléspectateurs les différentes missions et les différentes vocations de la Ligue contre le cancer. Très bien. Alors merci à vous tout d'abord de me permettre de représenter la Ligue contre le cancer de Savoie. Donc c'est une association nationale, la Ligue contre le cancer, qui a des comités départementaux dont celui de la Savoie. Elle a 4 missions principales. La première étant le financement de la recherche en cancérologie. Donc, pour vous donner une idée, sur les 12 dernières années, au niveau de la Savoie, cela représente 4,2 millions d'euros qui ont été alloués à cette recherche. La deuxième mission, c'est la prévention et la promotion des dépistages. Donc, on fait des actions de prévention, notamment dans les écoles, sur différents événements pour sensibiliser le public dès le plus jeune âge à l'importance de la préservation de sa santé. La troisième mission, c'est les actions en faveur des malades et de leurs proches. Donc, on met notamment en place des aides financières, du soutien psychologique, nutritionnel sur tout le territoire de la Savoie
On essaye de développer un réseau au plus près du domicile des personnes concernées. Et enfin, la quatrième et dernière mission, c'est la mission de plaidoyer. La Ligue intervenant au niveau des politiques de santé pour essayer toujours d'améliorer ces politiques de santé et des grands sujets comme ceux que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler récemment, le combat contre les nitrites dans les charcuteries, par exemple. Voilà. Justement, où en est aujourd'hui la recherche par rapport au cancer en Savoie? Alors, vous voyez, bah, c'est un long combat. Chaque année, on finance, et c'est un comité scientifique renommé qui choisit et qui vise les programmes de recherche que la Ligue va financer, voilà, pour essayer d'avancer au mieux sur les différents types de recherches qui sont en place. Vous imaginez bien, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches sur tous les cancers et types de tumeurs qui existent, et du public, du plus jeune, il y a énormément de programmes en cours, et on suit ça de manière vraiment pointue pour essayer d'allouer tous ces fonds au mieux. Alors, vous organisez les 11 et 12 juin prochains la troisième édition du Village et Relais pour la vie. Pouvez-vous nous présenter cet événement? Exactement. Alors, le Relais pour la vie sera effectivement sa troisième édition, puisqu'on l'avait commencé en 2018. Et puis, bien sûr, il a été suspendu en raison de la crise sanitaire. Alors, il s'agit d'un événement sportif et solidaire qui est organisé sur la commune de La Motte-Servolex. Alors, il est organisé en partenariat avec la mairie de La Motte-Servolex, puisqu'il y a en fait un village qui est composé d'un marché d'artisans et autour de la biodiversité et de la préservation de la santé. Et le Relais pour la vie en lui-même, c'est une course. Vous pouvez créer une équipe entre 5 à 30 personnes. Et le but du jeu, c'est de se relayer pendant 24 heures non-stop, soit en marchant, soit en courant, selon les possibilités de chacun. L'objectif étant de montrer que pendant 24 heures, on est en solidarité avec les malades qui, quand ils sont touchés par cette terrible maladie, ça ne s'arrête pas. Donc, d'où l'idée des 24 heures. Et ensuite, l'argent qui sera collecté lors de cette manifestation sera destiné justement à financer des actions pour les malades et leurs proches. Voilà, l'une des quatre missions principales dont je vous ai parlé au départ. Donc, il faut savoir que ça sera organisé sur tout le week-end du samedi 11 juin à partir de 14h jusqu'au dimanche 12 juin à 16h. Il y aura beaucoup d'animations autour du Relais pour la vie. Donc, c'est vraiment dans un cadre familial. Vous avez des concerts, des initiations sportives. Et puis bien sûr, le village dont je vous ai parlé qui est tout autour et qui est sur le thème de l'artisanat, de la biodiversité et de la santé. Voilà, donc je vous invite tous vraiment à vous connecter sur le site internet du relaispourlavie.net. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne, soit en créant une équipe, soit en rejoignant une équipe existante. Voilà, on sera vraiment très heureux qu'il y ait un maximum de personnes pour que cet événement fonctionne au mieux et rendre un bel hommage à toutes les personnes qui se battent aujourd'hui contre cette maladie. En marge de ce Relais pour la vie, vous avez noué récemment un partenariat avec le comité interdépartemental de rugby. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les contours? Bien sûr. Alors, l'année dernière, la Ligue nationale et la Fédération française de rugby ont noué un partenariat. Et au niveau de la Savoie, on vient de décliner donc, ce partenariat au mois d'avril, donc c'est tout récent. L'objectif étant de développer un partenariat, une coopération autour de la thématique de la prévention et de la santé. Donc, comme vous le savez, le sport est effectivement un facteur essentiel pour préserver sa santé. On va notamment intervenir pendant cette année sur plusieurs événements, notamment des tournois de rugby, pour faire des stands autour de la prévention. Donc, prévention, lutte contre l'alcool, contre le tabac, protection contre le soleil, consommation de sucre, etc. Voilà, on développe beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller à la rencontre du public et d'informer au mieux. Pour en revenir aux chiffres, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes atteintes de cancer en Savoie ou c'est trop compliqué de tout référencer? Là, c'est trop compliqué. Je ne serais pas en mesure de vous donner un chiffre. Voilà. Exactement. Dernière chose, ce Relais pour la vie, on rappelle qu'il y a des places, il reste des places. Est-ce que ce type d'opération, d'événement, ça a matière à se pérenniser forcément pour continuer
aller dans le sens de la recherche? Oui, c'est important. Non seulement, effectivement, c'est un événement qui permet de récolter de l'argent, mais c'est pas le but, c'est pas le seul but, on va dire. C'est aussi une façon de donner un petit peu de visibilité à cette lutte contre le cancer. C'est un événement qu'apprécient particulièrement les personnes qui sont touchées ou qui ont été touchées par cette maladie. Voilà, donc c'est important et j'espère effectivement qu'on pourra continuer à faire ce relais chaque année sur la mode Cervolex. Merci beaucoup Séverine Bétan, bravo pour ce que vous faites. Je rappelle que merci. Vous... Merci à vous de nous avoir laissé la parole et puis écoutez, au plaisir. Avec et au plaisir. Je rappelle que sur le relais pour la vie notamment. Je rappelle que vous êtes l'administratrice de la Ligue contre le cancer de Savoie. Merci beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Une plongée à présent dans le monde du e-sport. Thonon-les-Bains accueillait ce week-end la toute première édition du Thonon Gaming Fest. Durant 2 jours, près de 900 compétiteurs français et étrangers se sont affrontés sur de célèbres jeux vidéo comme League of Legends, FIFA 2022 ou encore Fortnite. C'est un reportage signé Paul Jeanbrun. Première édition et premier grand succès pour le Thonon Gaming Fest, un festival principalement consacré au e-sport qui s'est déroulé ce week-end au centre sportif de Thonon-les-Bains. Un événement qui a rassemblé plus de 4000 personnes avec pour seul objectif se rassembler autour d'une passion, le jeu vidéo. Toutes les places disponibles ont été prises. On a des finales de très haut niveau avec des joueurs qui sont connus et reconnus. Et je vois également que le public est très divers, c'est familial. Il y a évidemment des jeunes qui sont mordus de ces activités-là, mais il y a aussi les familles qui viennent sensibiliser des jeunes. Il y a eu des conférences là-dessus, c'est important. On se rend compte qu'il y a un appétit pour ce genre d'événement qui est extraordinaire. On a fait plus de visiteurs que notre objectif, donc, qui était déjà ambitieux. Donc on est très content et je pense que l'événement sera reconduit l'an prochain. Un public conquis et captivé par les possibilités quasi infinies qu'offre l'univers du e-gaming, mais certains joueurs professionnels sont venus en équipe dans l'unique but de remporter la victoire. On a des gamers qui sont venus pour s'affronter sur 7 jeux. C'est une compétition e-sport avec 20 000 euros de cash prize à gagner sur les différents jeux. Le tournoi, comme on peut les entendre derrière, le tournoi est complètement rempli. Et le tournoi côté joueur s'est déroulé à l'écart du public dans une salle de basket spécialement aménagée pour l'occasion. Dans l'autre salle, dans une toute autre ambiance, le public a pu suivre en direct les exploits des joueurs sur un écran géant et commenté par de grands noms du streaming. La plupart du temps, les gens ont la possibilité de suivre les créateurs de contenu, les streamers et les compétitions depuis chez eux, le regarder comme si tu le regardais à la télé. Et finalement, le regarder ici, c'est exactement comme si tu regardais un match sportif. Juste que bah, nous, notre sport, il a lieu sur un écran à la place d'avoir lieu sur un sport réellement physique. Comme dans le sport traditionnel, on se rend toujours plus compte de la difficulté lorsqu'on a fait le sport. Voilà, voir que Usain Bolt court vite, bah, j'ai déjà couru pour choper un train, donc je sais que c'est difficile de courir vite. Par contre, c'est vrai que par exemple, voir une compétition de water polo, bah, je me rends pas compte de la difficulté parce que j'ai jamais fait de water polo. Mais c'est forcément une fois qu'on les a un petit peu testés qu'on peut apprécier les joueurs qui ont un niveau professionnel. C'est tellement dangereux de faire ce genre de choses, il n'a plus de fruits d'envie de ramener Dallas Cole. Le stade est surfait de partout. 200%. Un pitchou, mesdames, messieurs. Des gamers et un public ravis, avec un impact certain sur le web. Un énorme succès donc pour cette première édition du Thonon Gaming Fest. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion de Panorama. L'émission est présentée par Emmanuel Jaude et elle est consacrée à l'écosystème et à la biodiversité. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont-Blanc. On se quitte avec des images signées Hugo Girola et Valentin Deluc. Les deux speedriders au Savoyard s'en sont donnés à cœur joie au-dessus du glacier des Bossons dans le massif du Mont-Blanc. À cette période de l'année, les conditions sont idéales, comme vous pouvez le voir dans le secteur, pour cette discipline qui mêle, vous le savez, le ski et le vol. Merci à eux pour cette vidéo.